Bonjour, bonjour. Je remercie le Seigneur de nous permettre d'être ici. Je le remercie pour sa grâce. Donc, je suis à Yaoundé aujourd'hui. Ceux de Yaoundé, qu'on devait, on devait se rencontrer là. Depuis 24 heures, ça fait 48 heures que j'ai pas fait de direct, je fais sur TikTok, ok. Donc, nous allons faire le chapelet ensemble aujourd'hui. Si vous écoutez, ceci en différé, faites l'effort d'écouter ce que je dis et de faire. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. La façon dont l'ennemi a disposé vos occupations, c'est de telle façon que vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à faire ce que vous devez faire. Et vous devez être intelligent. La Bible dit que ne soyez pas ignorant des stratégies de l'ennemi. Nous sommes dans la nouvelle lune. On dit New Moon. Nous sommes dans la nouvelle lune aujourd'hui. Quand les astres sont dans des dispositions pareilles, Monsieur Olivier, vous êtes sûrement ami avec l'arnaqueur, la personne qui arnaque les gens sur la page. Je vois vous mettez Marraine Jocelyne Gift. Ça, c'est le compte de cet arnaqueur ou arnaqueuse. Et je suis sûr que vous êtes peut-être ami avec cet arnaqueur. Voilà. Donc, vous devez forcer pour trouver du temps. Priez. Actuellement, avec quand vous commencez à développer vos dons, vous êtes tellement assujetti au changement de la nature. La nouvelle lune, c'est un nouveau pouvoir qui arrive. La pleine lune, c'est un nouveau pouvoir qui arrive. Le début de mois, c'est un nouveau pouvoir qui arrive. Vous devez être aux aguets. Soyez aux aguets. Le son n'est pas faible, je ne crie pas aujourd'hui. Je suis habitué à crier tous les jours. Et la maturité spirituelle, c'est quand tu prends en charge, tu prends responsabilité de ton devenir. Pour ceux qui sont sensibles, depuis quelques jours, vous êtes en plein chargement. On a beaucoup jeûné pour les trois derniers, les cinq derniers jours. Quand vous jeûnez, même si vous ne priez pas intensément, dans le monde astral, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'au début de votre jeûne, vous avez mis des intentions. Bonjour Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Je n'ai pas fait de réunion publique aujourd'hui. C'est juste pour travailler sur quelques personnes. Donc, quand vous sortez d'un jeûne aussi chargé,
il y a des choses qui ont été déclenchées dans le monde astral. Et vous devez vous assurer de la pérennité de ces actions. Vous savez que quand on jeûne intensément, on sort de là, une fois par semaine, après ça, on jeûne. Donc, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont en train d'être réactivés. Il y en a, vous avez beaucoup mal au corps. Le mal de corps, là, ce n'est pas un hasard. On va même vous isoler. Tu restes comme ça, tu avais prévu de partir quelque part, tu as des imprévus. J'ai été isolé pendant presque 12 heures de temps. On est arrivé à Accra, notre vol est arrivé, on dit que l'avion a un problème. On a fait combien? On a fait 12 heures à Accra. Donc, les imprévus ne sont pas vus comme mauvais. Les imprévus, vous demandez qu'est-ce que vous voulez me dire? Parfois aussi, à travers les imprévus, vous savez que ce que vous êtes en train de partir faire est important. Soit on te redirige, soit il y a un combat qui est en train de se passer. Bonjour Ariane, comment tu vas ma chérie? Soit il y a un combat. Et croyez-moi, quand tu commences à te laver avec le sel, tu commences à faire les prières, on va t'attaquer. Parce que beaucoup d'entre vous vous désabonnez parce que tu es désespéré, écoute la prière. Vous aimez ça. Vous aimez venir pleurer ici là. Quand tu commences le sel, on va t'attaquer. Point barre. Quand j'ai attaqué, vous pensez que c'est quoi? On va venir te gifler avec la jambe. Ça veut dire que rien ne va marcher. C'est ça l'attaque. Quand ce n'est pas des attaques extérieures, c'est ton corps même qui ne te. Tu as vu le remède du palu, tu sors de l'hôpital depuis 10 jours, mais tu te sens mal. C'est ça les attaques. Tu as l'argent dans ton compte, mais tu es malade. Parce qu'on est en train de te réaligner. On est en train de faire que tu rencontres les bonnes personnes. On est en train de faire que tu reprennes confiance en toi. Que tes idées te viennent en place. Beaucoup d'entre vous, les engagements que vous avez pris, je sais que je dois faire ça, mais tu ne fais pas. Je sais que je dois faire ça. Il faut que je me rappelle, je fais. Tu n'as pas fait depuis là, non. Hein? Tu ne peux accomplir ta mission de vie sans qu'on ne te parle de spiritualité. Sans que tu n'apprennes à écouter tes guides. Sans que tu n'apprennes à faire avec les imprévus. Tu te pointes comme ça, il y a un imprévu, tu tac, tu ajustes. Tu avances. Tu ajustes, tu avances. À chaque obstacle, demandez toujours qu'est-ce que vous êtes en train de faire. J'ai une femme qui me suit, ça fait un an au moins que je travaille sur elle. 7 mois, je dirais qu'elle que je travaille sur elle, et ça fait au moins un an qu'elle me suit. Depuis un certain temps, ça fait peut-être 2 mois, elle a arrêté de... Elle a voyagé actuellement dans un autre pays, elle a oublié son sel. Elle a... Je vous ai dit qu'elle est quitte voyage. Et on n'a rien sur elle. Donc ça fait au moins 2 semaines qu'elle n'a rien fait sur elle. Donc toute l'énergie qu'elle avait accumulée depuis des mois. Tu es à Dubaï, tu as oublié tes produits. Cherche le sel, tu mets dans ton sac. Marche avec le donne-moi tout. Marche avec le de blindage. Marchez avec vos enfants. Donc, on a réussi à se parler l'autre jour. Elle me dit que maman, 2 semaines que j'ai posté un peu les statuts, on a vu comment j'ai acheté les voitures pour venir vendre au pays. 2 semaines que j'ai un peu fait jusqu'à ce que j'ai sorti la tête de l'eau. On voyait dans mes statuts comment je respirais là. Les attaques de ça. Il y a des gens qui disent, ah, elle est sortie du pays. Hein. Ah, elle va acheter sa marchandise en Turquie. Le soir, là, tu tombes malade en Turquie. Ne mets pas l'huile de blindage sur toi, tu vas voir. Ne prie pas. Ne jeûne pas quand je jeûne les mercredis. Tu as compris, non? Tu es fort, non?
D'accord. On lance la prière. On va faire le chapelet aujourd'hui encore. Mettons-nous en présence du Seigneur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. A souffert sous Ponce Pilate, été crucifié, est mort, est enseveli, a ressuscité des morts. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la vérité. La fin, là, elle est trop catholique. C'est pour ça que je ne la dis pas trop. Je laisse chacun le bon plaisir de dire selon ce qu'il veut. Je crois en l'Esprit de vérité, je crois en l'univers. Je crois au Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'il en soit ainsi. Donc nous allons commencer, et nous aurons 5 dizaines à faire. Pour chaque dizaine, je vais donner des intentions auxquelles vous allez joindre vos propres intentions. C'est bien quand quelqu'un prie pour toi, mais c'est encore mieux quand toi-même tu pries pour toi. Ok? Soyez dans la joie, de bonnes nouvelles arrivent. Vous avez poussé et là vous êtes presque au bout du tunnel. Les portes qui étaient fermées sont déclarées ouvertes à partir d'aujourd'hui. Je déclare la restauration de vos énergies, l'ouverture de vos portes. Je déclare que les bonnes idées vous localisent. Ces idées atterrissent en vous. Donc pour cette première dizaine, je vais demander sur vous l'inspiration divine, la connexion avec vos guides, les idées qui vont vous permettre de changer votre vie et la vie des personnes autour de vous, que vous puissiez les attraper. Je vais ouvrir vos oreilles spirituelles, que vos oreilles soient calibrées, à l'écoute, que lorsqu'on vous parle, que vous ne soyez pas têtu. Lorsque vos guides vous parlent, que vous puissiez saisir. Et je mets en vous, selon Philippiens 2, verset 13, que le Seigneur travaille en vous pour le vouloir et pour le faire. Qu'il travaille en vous pour le vouloir et pour le faire. Toute idée venant de l'ennemi qui est dans votre tête, toute idée de découragement qui est dans votre tête, qui vous fait peur, comme vous m'écoutez et comme nous allons prier cette dizaine, je libère votre esprit de ces idées. Je libère tout esprit contradictoire. Toute personne qui est venue vous embrouiller pour vous décourager de ne pas faire votre travail. Je dépose la grâce sur vous. Je dépose la grâce sur vous. Qu'il en soit ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je te dirai Facebook. Oh, super, je suis revenu sur Facebook. Ok, je me suis arrêté. On est à la troisième, je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Tout le monde dit qu'il en soit ainsi. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, qu'il en soit ainsi. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Qu'il en soit ainsi. Bonjour lui, bonjour. Nous allons commencer la deuxième dizaine. La deuxième dizaine. Je vois quelqu'un ici là, tu avais beaucoup de dons spirituels. Tu avais beaucoup de dons spirituels. Tu avais, il y a un moment où tu étais très spirituel. Et tout ça, c'est parti. Parce que si tu ne comprends pas, je suis pas sur TikTok. Je n'augmenterai pas ma voix. Donc, tu étais très spirituel à un moment. Après ça, tu t'es retrouvé dans des relations, dans des... Donc, tu t'es retrouvé progressivement en train de partir. Pourtant, à la base, tu étais très spirituel. Pour cette dizaine, je demande que le Seigneur fasse renaître... Bonjour Annika, cette connexion qui est partie. Avant, tu pouvais rester comme ça, tu captes. Vous savez qu'il y a, il faut une prédisposition pour savoir lire les signes. Un oiseau se dépose, tu te dis, ah, c'est un signe. Tu fais une prière, après il pleut, c'est un signe. Donc, je prie pour que, dans cette dizaine que nous allons faire, que votre reconnexion se fasse. Que vous puissiez connecter tout ce que vous avez appris dans le passé et que vous n'utilisez pas. Que ça revienne dans votre esprit. Et pendant que vous priez, que vous soyez rechargé. Que votre oreille soit ouverte. Que vos yeux soient disposés. Ainsi soit-il. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi.
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, et surtout celles qui ont le plus de besoin de votre sainte miséricorde. Qu'on soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi. Juste pour la route du vin, je vous salue Marie encore. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'il en soit ainsi. Père, je te dis merci pour l'activation de nos pouvoirs que tu viens de faire. Je te dis merci pour la reconnexion, pour l'ouverture de nos chakras. Je te dis merci pour l'ouïe spirituelle que tu viens de nous donner. Merci parce que nous allons capter. À partir d'aujourd'hui, nous allons écouter ce que tu vas nous dire. À partir d'aujourd'hui, nous allons saisir ce que tu nous montres. À partir d'aujourd'hui, nous allons trouver notre chemin. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous perdrons plus. Non. Pour cette dizaine, je vais prier contre tout ennemi de votre destinée qui est dans votre vie actuellement. Vous savez qu'il y a des ennemis de destinée. Vous savez qu'il y a des ennemis de destinée. Tout ennemi de votre destinée, que ce soit ton patron, que ce soit ton employé, même mes propres employés, si j'ai un employé qui est un serpent caché, je vous chasse dans votre vie. Tout ennemi de votre destinée qui est en train de vous déconnecter. Je prie que le Seigneur vous accorde la force pour sortir des trous où vous vous trouvez actuellement. Je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas, je n'ai pas le choix que ce ne soit plus votre dialogue. Si c'est la maison que tu cherches, trouve la maison. L'argent du loyer pour payer la maison là, trouve cet argent aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin pour passer dans l'autre dimension de ta destinée, que le Seigneur te l'accorde aujourd'hui. I contend with any evil in your life. Je repousse tout ennemi, tout démon, tout mauvais esprit dans ta vie. Comme tu m'écoutes, quand le son de ma voix touche tes oreilles, que ça te réveille. Ça, c'est pour montrer à quelqu'un qu'il est temps pour toi. Il est temps. Cette alarme-là, c'est il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Il est temps. Pour les, on a pris pour les prochains, c'est pour les enfants, pour récupérer tout ce qu'on t'a volé. Il est temps pour toi. Bonjour grâce. Apparemment tu es passé, tu m'as laissé quelque chose. Où tu vas? Tu vas envoyer. Merci d'avance. Ok. Père, comme j'élève ma voix pour prier cette dizaine, tout trou dans lequel vous avez mis, les sables mouvants dans lesquels vous avez été, ce qui bloquait votre travail spirituel, ce qui bloquait votre collaboration. Tu es dans une maison, tu n'arrives pas à partir. Appelle l'équipe là. L'équipe. Oui, oui, je...
n'ai pas le réseau ici là. Tu as le numéro de l'un d'entre eux. Tant donne-moi un peu de. Tu es dans le groupe des employés, non? Hein? Tu as le mari quand tu viens dans le groupe. Elle est enfant, si. Je veux seulement faire un voice, parce que je dois continuer. Miss Manteau, fais écouter ceci à Miss de, à Vince Defoe. Il faut qu'elle envoie 60 000 et ici là à Yaoundé pour qu'on donne à Franck. Oui. À Mahamad. Voilà, allez faire les courses alors. Voilà, assure-toi que ça arrive et qu'elle a reçu. Tu l'appelles, elle envoie ça. Pour cette dizaine-ci, pendant que vous écoutez, que ce qui était sur vous, ça vous alourdissait. Les dépôts dans votre ventre, sur votre corps, les mauvaises relations dans lesquelles vous êtes. Quelqu'un dit qu'il va t'appeler, il ne t'appelle plus. La peur, même peur. Il y en a qui ont la peur d'être seul. Que ça sorte. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Ô mon bon Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, qu'il en soit ainsi. Que tout ce qui vous a été volé revienne. Partout où on vous a. On s'est moqué de vous. Quand vous avez fait cette prière, que ce qui vous avait été pris, ou bien ce pour quoi on se moquait, que ça disparaisse. Je remets le courage dans votre cœur. Le courage dans votre cœur. Pour parler. Je débloque votre gorge. Je débloque votre gorge. Que vous ne manquez pas. Nous allons continuer. Pour la prochaine dizaine que nous allons faire, bonjour Jean, merci. Pour la prochaine dizaine, ce pourquoi je m'accorde avec vous, ceux qui sont en manque, manque financier, tu as fait un business avec quelqu'un, il a pris l'argent, il ne t'a pas donné ta part. On appelle maintenant tout ce qui nous revient de droit.
le vin de soleil, c'est super. Tout ce qui vous revient de droit, comme le soleil s'il brille aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque fois que le soleil va vous toucher, même si tu ouvres la fenêtre, tu vois la lumière de dehors. De la même façon que ce soleil s'est levé, sûrement. Que ce qui me revient de droit me trouve sûrement. Merci Star. Que ça me trouve sûrement. Répétez avec moi sûrement. 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 Écrivez sûrement. Ça veut dire que tes finances sont restaurées sûrement. Le boulot là, qu'on voulait te donner, on te le donne sûrement. Tu as l'augmentation de salaire sûrement. Tous ceux qui étaient perdus, que vous vous retrouviez, que ta foi revienne. Ma foi revient sûrement. Mes pouvoirs reviennent sûrement. Le paiement que j'attends depuis quelques jours, ça arrive dans mon compte sûrement. Je chasse la peur, que la peur soit remplacée par sûrement. Quand Jésus parlait, il était tellement sûr. Il disait toujours, « Verily, verily, I say unto you. » en vérité, je vous le dis. Donc, ne dandine pas. Il est sûr. Mes enfants réussissent à leurs examens sûrement. Moi-même, j'ai réussi à mes examens sûrement. Toute personne qui est venue pour vous démunir, ce qui a dit tout à l'heure qu'elle bagarrait avec le père de ses enfants pour reprendre ses enfants, tout ce qui te revient qu'on t'a retiré, quand nous allons prier la dizaine ici, médite dessus. Médite, parce que tout à l'heure on va faire le retour à l'envoyeur. Mon argent vient, sûrement. Ceux qui sont en train de venir pour Yaoundé pour qu'ils travaillent sur eux aujourd'hui là, venez jeûner, s'il vous plaît. Jeûner. Cordis, on ne dit pas tout. Donc, tu n'as rien de précis que tu veux. Si quelqu'un te rencontre, on dit que tu veux quoi? Tu as dit tout. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose? Je déclare que tout ce qui vous a été volé, quelqu'un a volé ton héritage. Quelqu'un a volé ton argent, il ne veut plus te donner depuis. C'est ton argent, hein? Mais c'est toi qui pleures derrière lui pour qu'il te donne ton argent. Appelez vos agents là-dehors. Appelez vos agents. Univers, rembourse-moi mon argent, quelle que soit la forme. Si ce n'est pas Jean Crépin qui me remet mon argent, que ça vienne sous forme d'une activité qui tombe, l'argent de ça tombe net, net. Tu t'es marié, ça s'est gâté. Tu as fait une fausse couche. Seigneur, remets la grossesse dans le ventre de cette femme. Que tu conçoives encore. Et tu accouches à bon port. Tu accouches à bon port. Tu as perdu tes papiers. Que les papiers là te localisent. Ouvrez la bouche et vous parlez. Seigneur, je reçois sûrement mon visa. Je reçois sûrement ma nationalité, mon titre de séjour. Tout Goliath qui est sur votre chemin, non identifié, donc toi-même tu ne connais pas quelle est la cause. Tu ne sais pas pourquoi tes choses sont bloquées.
Je tranche la tête, j'envoie l'ange Michael. Je tranche la tête de tout Goliath qui s'oppose à l'accomplissement de tes projets par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité. Vous allez voir seulement le cadavre. C'est une chose quand tu découvres ton ennemi, mais que tu es encore impuissant. C'est une autre chose quand tu découvres son cadavre. Ah, donc c'était lui, pas que c'est lui. Donc c'était lui. Je déclare l'anéantissement de vos ennemis. L'anéantissement des barrières qu'on avait mis devant vous. Tu déposes ton dossier pour chercher la maison. Depuis 2 ans, tu cherchais la maison. Hein? Trouver la maison là, cette semaine. Maximum samedi que cette agence sociale t'appelle pour te dire, on a trouvé la maison pour toi. Dressé sur mon chemin, Seigneur, je l'anéantis, même si c'est ton mari. Vous savez qu'il y a les hommes qui peuvent aller pratiquer ou les femmes qui peuvent aller pratiquer. Ou avant vous étiez ensemble, un ancien employé, maintenant la personne pas pratiquer contre toi. J'anéantis les incantations faites contre toi. On ouvre la bouche maintenant. En priant, tu vois seulement comment les clés de ta maison, tu vois les clés de ta voiture, tu vois ton visa. On y va. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Qu'il en soit ainsi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, qu'il en soit ainsi. Que personne ne compute contre vous sa marche. Pour ce dernier passage, même si vous êtes dans le transport en commun, hein, méditez dans votre cœur. Vous pouvez prier en chuchotant. Comme cela. Vous n'avez pas besoin de forcément parler fort. Mais que votre cœur soit connecté à cette prière.
nous allons retourner tout le mal qu'on nous a fait à l'envoyeur. Tout mal qu'on m'a fait. Vous savez que souvent vous faites quelque chose. C'est 5 ans plus tard que vous découvrez qui a fait. 5 ans plus tard. Donc c'était toi qui me bloquais. Tout ce qu'on vous a fait de mal, connu, inconnu, je retourne, comme nous sommes en train de prier maintenant là, hein? Je ne veux pas savoir qui c'est. Je ne veux pas savoir qui c'est. Je m'en fous. Parce que parfois, quand il y a des gens, quand tu découvres que c'est lui, tu dis, ouais, pitié. Il y en a parmi vous, vous êtes censé être milliardaire même déjà. Mariama, commence par le kit fondation. Tu es censé être milliardaire. Mais tu es là, élan, élan. Tu es censé avoir 3 magasins qui tournent à 100 à l'heure, s'il te plaît. Bonjour les gens qui sont au Liban. Mais tu es encore là, élan, élan. Parce qu'il y a quelqu'un qu'à la veille de ta chose, il a vu. Non, le CVC, c'est, vous voulez l'embaucher. Non, j'ai ma cousine là, j'ai ma cousine. Ne prenez pas celle-ci, prenez ma cousine. Et tu n'as jamais su. C'est 5 ans plus tard, le patron te voit en route un jour. Comment vous allez? Vous savez, il y a cela 5 ans, je voulais vous embaucher. Mais vraiment, y a ma secrétaire qui est venue, elle m'a donné une autre personne. Et 6 mois plus tard, j'ai découvert qu'elle elle prenait de l'argent dans mon entreprise. Je dis, hé Seigneur, bonjour de Nantes, là, Nantes, bonjour. Même si c'est une assistante sociale qui s'est assise sur ton dossier. Écoutez, je ne veux pas savoir. Tu sais, parfois tu vois quelque part, quelqu'un te déteste pour rien. Parce que tu l'as salué mal le premier jour. Oh, madame, nous sommes désolés. Franchement, votre dossier ne peut pas passer. Vous devez attendre. Oui, on ne peut pas le faire maintenant. Écoutez, je tape dans votre énergie maintenant. Je remonte jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans, même si c'est à votre naissance. Même si c'est à votre naissance. Qu'on vous a fait quelque chose de mal. La personne là, même s'il est dans la tombe, ça le trouve là-bas et ça prend ses enfants et ses petits-enfants. Il y a des gens sur qui on ne peut même pas travailler. Quand il vient, tu vois son cas comme ça, tu dis que gars, pas. Parce que tu sais que c'est lui-même qui a cherché. Il faut d'abord qu'il parte te demander pardon là où il a fait d'abord. Tant que ces personnes-là ne demandent pas pardon, ils ne rectifient pas leurs choses qu'ils ont fait. Ils n'auront pas la paix. Et que le Seigneur le montre bien. Qu'il n'ait pas de repos même dans le sommeil. Dorcas, bonjour. Comment tu vas? Quand vous commencez à appliquer mes conseils, après vous prenez la... Allô? Oui. Une demi, je lui ai dit demi. Quand elle parle, il doit écouter ce qu'elle dit. Oui, 4 paquets de bougies, les bougies. Avec le sel. 1 kilo de sel, 1 kilo de sel. Les poules. Donne-moi les poules. Il t'a dit ça. Prenez 5 poules. 5. Unchangeable changer, you never disappoint, oh, mighty warrior. Parfois tu découvres quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu n'as pas la force. Tu dis, ah, qui part avec? Vous savez ça, non? Hein? Tu découvres, mais tu es trop faible. Pendant que je fais la dizaine ici, hein, que tes anges se lèvent. Que tes Saint-Michel là, il se lève. Toute personne qui est à côté de toi, qui fait semblant, membre de ta famille dans ton entreprise, qui ont le mauvais cœur sur toi,
qui bloque tes employés, qui décourage tes employés. Je retourne sur eux. Écoutez bien, vous allez voir, vous allez venir me témoigner ça. Parce que la force que je retourne à l'envoyeur, depuis que j'ai fait quand retourne à l'envoyeur. J'envoie vos Saint-Michel qui tranche la tête de tous les hôtels maléfiques qu'on a dressés contre vous. Les complots qu'on est assis, on a dit, elle croit même que quoi? Reine Lumière là, elle croit même que quoi? Mais ben, elle a grandi ici devant nous. Oui. Oui. Sacrificateur, bonjour. Que ça retourne sur eux. On n'est pas en train d'attaquer. On met juste la protection et ça retourne leur flèche. Multiplié par 7. Selon Deutéronome chapitre 28 au verset 7. La Bible dit, ils sortiront par un chemin contre vous. Et ils vont retourner par 7 chemins. La chanson que j'aime chanter, c'est la chanson de ma fille. Elle n'a pas encore publié. Moi-même, j'ai hâte que ça sorte. J'ai passé depuis les 3 derniers jours, j'ai fait que chanter ça. Depuis 3 jours, j'ai fait que chanter la chanson de mon enfant là-dedans. C'est la chanson de ma fille. Donc, écoutez bien. La dizaine, si. C'est pour restaurer ce qu'on vous a pris. Allez parler à vos gens. Quand Dieu vous appelle à certaines personnes, allez leur parler. Laissez-moi, je parle à mes gens. Les hommes de Dieu, je ne sais pas comment les hommes de Dieu font même pour tomber sur mes directeurs. Je ressemble à une femme de Dieu. Comme vous voyez les locs, je ressemble à une femme de Dieu. Vous me laissez. Comme vous jugez trop là. Voilà. Allez, on enclenche la prière. On enclenche la prière. Notre Père, pendant que vous priez, voyez seulement comment le feu d'artifice sort. Les flèches sortent de là où ils ont piqué sur vous. Ils ont piqué sur vous, ça repart. Et en partant, ça se multiplie. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Allez, Rakashika Tarabakosate. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Certaines personnes, dans maximum 3 jours, ils vont mourir. Quand les gens vont mourir dans votre famille, envoyez seulement l'argent du deuil. Ne partez même pas le deuil. Ma tante là, yeah, c'était ma tante, j'ai grandi chez elle. Je commande ça. Toute personne qui vous a bloqué, qui est dans votre famille là, oui, ils vont tomber. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Les oncles méchants là, un jour, une de mes employés fait le kit fondation. Elle demande qu'on montre qui a tué son père. Quelques jours plus tard, son oncle vient me déclarer dans la réunion familiale que c'est moi qui ai tué votre père. Devant tout le monde. Il dit que vous étiez les prochains, vous les enfants, là, vous étiez les prochains. Donc même lui, là, je le mélange dedans. On fait retour à l'envoyeur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde.
Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi. Il y a des gens ici là, depuis quelque temps, vous pensez à demander une messe pour vos ancêtres. Il y a certains, vous devez demander des messes. Donc j'ai un évêque avec lequel je travaille, et Monseigneur Ifoudébé. Oui. On va encore demander des messes pour les morts, pour nos morts. Si vous le ressentez, quand vous faites ça, vous envoyez les offrandes que vous envoyez en demandant la messe, je fais suivre. Mais je viens d'entendre ça. Il y a certains de vos morts qui ont besoin de messe. Oui. Aujourd'hui, là, je sais que vous avez été délivré. Je le sais. En parlant, là, je sentais, là, il y avait une force qui poussait certaines choses qui étaient en vous. Donc, il y a des messes que vous devez demander ces derniers, prochains jours, là. Faites l'unibation. Je crois qu'on a jeûné, on n'a pas fait les six mots. Pour le montant, il n'y a pas de... Tout c'est une offrande. Ce que tu envoies, j'envoie. Mais que ce soit pas moins de 5 000. Les gens qui envoient souvent 2 000 pour demander la messe. Ne me donnez pas la honte. Ce que vous envoyez, je porte la même chose, je lui envoie. Donc, ce que tu juges. Quelqu'un vient demander la messe pour 10 morts, il t'envoie 2 000. Ne faites pas ça. Moi-même, je vais vous l'envoyer pour l'argent. Voilà. OK. Donc, je continue ce qui a été fait aujourd'hui. Vous allez voir, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui va mourir. Ça, j'en suis sûr. Deuxièmement, dans le rêve, peut-être, on va venir vous remettre quelque chose. Si vous avez pu, si vous pouvez, prenez le kit fondation. Prenez le kit fondation. Oui, envoyez vos demandes de messe. Donc, je vais demander que l'évêque fasse ça dimanche prochain. Pas celui-ci qui vient, mais l'autre. Donc, dimanche de la semaine prochaine. Voilà. Le kit fondation au Cameroun, c'est 70 000. Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est 110 000 en montant. En France, c'est 230 euros. Pour aujourd'hui, il y a beaucoup de libérations qui ont été faites. Beaucoup. Il y avait des personnes qui vous intimidaient beaucoup avant dans votre famille. Vous avez senti une légèreté pour faire vos choses. Vous serez léger. Mariam, prends le numéro du Cameroun. 237-693-50-2266. Donc, Seigneur, je viens sceller toutes les prières qui ont été faites ici. Je déclare que tout ce qu'ils ont reçu est scellé par le sang de Jésus. Tout ce qu'ils avaient arrêté. Tout ce qui avait été arrêté dans votre vie, que ça reprenne dès aujourd'hui. Comme je te lève là, c'est pour réactiver ton business. Comme je te lève là. Et que les personnes qui vous avaient oubliées et qui devaient faire quelque chose dans votre vie de bien, vous recontactent. Ça, c'est ma prière. Et je scelle ça. Vous allez revenir à votre témoignage. Je vous fortifie. Que votre travail votre travail spirituel aille de l'avant. Que ça aille de l'avant. Que vous n'arrêtiez pas. Je commence les travaux à partir de demain. J'ai eu des ralentissements dans les vols, les choses comme ça là. Donc, j'ai fait 24 heures de plus dans un vol, mais je commence les travaux à partir de demain. Voilà. Donc, considérez de demain après demain jusqu'à peut-être mercredi la semaine prochaine. C'est là que si mercredi prochain, tu n'as pas reçu ta vidéo pour ton travail spirituel, ce qu'on t'avait oublié. Donc, tu écris pour te demander. Donc, écrivez sur WhatsApp si vous avez besoin de... Il y a les lavages qui étaient en promotion. La promotion allait jusqu'à vendredi. Il fallait un code promo. Ceux qui ont demandé les consultations. Donc, je vais prendre 2-3 personnes maintenant en consultation. Ceux qui doivent venir à Yaoundé pour que je les lave. Je vous attends. OK.
Je vous bénis, je vous fortifie. Que vos projets ne soient plus arrêtés. Le lavage à l'eau, ça veut dire quoi? Je ne fais pas de lavage à l'eau, je ne comprends pas. Lavage à l'eau, comment? Tu viens, je te lave, ou bien toi, tu te laves chez toi. Bon, tout ce que vous avez reçu dans cette prière, nous scellons cela par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez reçu, ça ne va plus sortir. Tout ce qui est sorti de vous de négatif, je déclare, comme c'est sorti, ça ne reviendra plus. Je scelle la porte par laquelle c'est sorti. Tout démon qui est sorti de toi, je remplis cet espace par le Saint-Esprit. Et je déclare qu'il ne retournera plus. Il ne va pas appeler d'autres démons pour revenir en toi. Et il ne retournera pas dans toi. Je nettoie votre chemin. La consultation, c'est 135 euros. Il y a des gens qui attendent depuis 10 jours. Même les lectures de cartes, ils attendent depuis longtemps. Donc ça, je vais faire peut-être pendant une heure de temps maintenant. Avant de demander à me parler, lavez-vous déjà au sel, s'il vous plaît. Ayez la foi en vous. Ayez la foi en ce que vous venez de demander. Croyez. Parce que vous n'êtes pas tombé sur ma vidéo par hasard. Croyez. Le Seigneur répond aux prières. Le Seigneur donne. Lavage à la mer de Kribi. Non, je n'ai jamais programmé le lavage à la mer. Je ne sais pas avec qui tu es en train de parler. Ce n'était pas moi. Lavage à la mer de Kribi. Non, je n'ai pas programmé un lavage à la mer. Ok? Je n'ai pas mis dans les choses. Voilà. Je viens vous bénir. J'ouvre vos portes aujourd'hui. Je déclare que votre esprit est clair. Vous êtes connecté. Vous ne manquez pas d'idées. Tout ce qui avait été forgé contre vous, nous avons détruit. Nous détruisons, nous écrasons. Au nom de Jésus-Christ. $ c'est 90$. Il y a mon lien, le lien de mon numéro dans la bio. Écris dessus, tu dis que tu veux le lavage à distance. Parce que je vais faire le lavage demain, donc on va te mettre dans la liste. Tu vas payer sur le compte. J'ai un compte de M-Pesa là-bas, chez Vodacom. Voilà. Ok. Soyez fortifiés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Vous avez une mission de vie, mais vous ne savez pas comment commencer. Par la grâce de Dieu, je suis en train de forger des formations pour vous. Formation spirituelle entrepreneuriale. Quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. C'est en cours. Mais en attendant, vous-même commencez à travailler sur vous. Commencez d'abord, prenez un kit, vous travaillez sur vous. Prenez un rituel de détachement. Prenez le détachement, je travaille sur vous. Ce n'est pas tout le monde qui me voit en personne. Hein. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu veux me voir, même si tu payes. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu veux me voir. Parle à tes guides. Je fonctionne avec les guides. Tu as suivi. Il y a des personnes qui ne payent pas me voir. Parce qu'ils ont parlé à leur guide. Il y a des personnes qui payent et ne peuvent pas me voir. Tenez. Vous avez besoin de tenir. Ne passez pas une journée sans passer sur ma page et chercher une vidéo, vous regardez. Je vois quelqu'un qui, après 2 mois, je dis que ça fait longtemps. Non, je fais des vidéos tous les jours. C'est toi qui ne me cherches pas. Nous déclarons la guérison de Jean Gauthier qui est malade. Il y a une ligne de prière. Vous écrivez, vous demandez la ligne de prière. On va vous envoyer le nom. On va vous envoyer le lien. C'est un numéro plus 44. Sur Facebook, c'est le numéro qui est sur Facebook. Plus 44. Ça, c'est la ligne de prière. Vous écrivez là-bas. Il y a quelqu'un qui est constamment en train de prier pour vous. Voilà. Que vos activités se stabilisent. Que le Seigneur vous donne la vision claire. Que vous soyez dans l'esprit et que vous puissiez voir ce que Dieu veut faire à travers vous sur la terre. J'ouvre encore plus vos yeux spirituels pour la vision que vous voyez. Il y en a, vous voyez, c'est comme une vie, un flash. Il y en a, c'est comme des idées. Et quand les idées arrivent, c'est beaucoup d'idées qui s'alignent. Ta, 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 ta. Il y en a, on vous montre souvent ce que vous devez faire dans le rêve. Parfois, c'est le matin. Parfois, c'est le matin. Donc, vers 5 heures comme ça, quand tu es en train de te réveiller, tu sens une voix qui est en train de te parler. Le lavage au sel et le travail spirituel sur soi, ça accentue la connexion avec le jeûne. Avec le jeûne. Pour que tu écoutes plus. Pour que tu écoutes plus. Lavage. Je vous donne. Adja, merci. C'est gentil. Pour me voir, il faut payer. Oui, il faut payer. Il faut payer. Je ne vois pas les gens gratuitement. Ok? Voilà.
Jean Gauthier Yambembe, je prie pour ta délivrance, ta libération, ta guérison. Donc, je vais vous donner un code spécial qui vous donnera 25% de réduction, pas 30, pas 50 sur les lavages. 25. OK? Si vous voulez payer un service aujourd'hui, même la consultation, 25% de réduction. Dites promo 25. Vous leur dites ça aujourd'hui. Promo 25, lavage, consultation. Chacun attrape sa part de code promo dans les directs. Promo 25. Le lavage, au lieu de payer 50 000, vous allez payer le quart de ça. Vous allez peut-être payer 37 000 comme ça, 37 500. Ça aide quand même. OK, promo 25, c'est ça le code. Toute adversité que vous avez eue, toute personne qui vous a résisté, toute personne contending, qui se battait contre vous, je déclare qu'ils sont anéantis. Que vos idées soient claires. Que vos idées soient claires. Que vous saisissiez. Je parlais de la comment écouter. Ça vient sous forme de vision, de flash que tu vois. Ça peut être une idée. Généralement, il parle beaucoup le matin, quand tu es en train de vouloir te réveiller. C'est pour ça que quand vous dormez, vous ne devez pas avoir des choses qui jouent. Si ce n'est le chapelet, ou bien la Bible qu'on lit. OK? Pour la consultation, c'est le 237-693-50-22-66. Prends de quoi noter. Dans ma bio, il y a un lien qui donne sur mon WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui se font passer pour moi et qui vous écrivent. Je ne vous écrirai jamais. Donc, quand vous dormez, même quand je te réveille, on ne se précipite pas pour parler avec monsieur. Parce que le matin, surtout pour les choisis, ce n'est pas tout le monde qui est choisi. Vous sentez en vous que il y a quelque chose que je suis censé faire. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Mettez le sel autour de votre lit avant de dormir. Prenez de l'eau, vous versez une percée de sel dedans. Parlez. Prenez des bougies. 3, 7 bougies, une bougie. Vous entourez le sel là. Vous mettez les bougies au sol. Vous entourez de sel. Vous parlez. Vous laissez brûler jusqu'à ce que ça finisse. Parce que les élus sont en train d'être activés énormément. Et ils sont en train d'être connectés entre eux. Bonjour Jackie. Ceux qui tombent sur ma vidéo, quand je vous parle, ça active quelque chose en vous. Il y a quelque chose ici là qui... C'est-à-dire quand je parle, c'est votre corps qui ça chauffe ou ça picote ou ça... Oui. Olivia, on ne parle pas au réveil. C'est l'une des raisons pour laquelle on dit souvent, mais ne pas dormir, tu dors seul. Et quand vous écoutez ou vous voyez, parce qu'ils vont vous parler des affaires que vous devez faire dans la journée, s'il y avait peut-être, est-ce que tu veux voyager pour aller quelque part, tu as un retard peut-être sur le vol, tu as oublié ton ticket, est-ce que tu dois partir encore? Là, ils vont te mettre dans le cœur, pousse. Et parfois, tu veux écouter, rien ne vient. Mais c'est un signe, quelqu'un t'appelle et dit, il faut partir là-bas, pas dans le pays là. C'est comme ça que tu reçois ta direction. Donc, soyez, écoutez-vous plus que tout le monde. Parfois, tu arrives, quelqu'un, tout le monde te dit, oh, tu dois, je sais pas, j'ai la personne avec laquelle tu dois collaborer. Mais tu ne sens pas la personne. Quand la personne parle, ça ne t'active pas. Tu tombes sur la personne qui est active. Dès que la personne parle, tu te dis, waouh, depuis un mois, c'est comme si la personne, elle vit avec moi. Tout ce que je dis depuis un mois, elle me dit. Ton corps picote quand tu m'écoutes parce que mes paroles t'activent. Donc je dis bien les élus, et vous devez trouver votre oracle. Chacun a son oracle.
Ton oracle, c'est un peu comme Neo dans la Matrix, quand il est parti voir la femme oracle. Bonjour petit oiseau, ça va? La femme oracle, quand elle a vu Neo, ce n'était pas une femme super, elle n'était pas assise dans un temple, elle avait des pouvoirs, comme ça. Bien, non. Elle faisait des biscuits, des biscuits. Oui. Moi, je me disais, quand on dit oracle, tu vas arriver dans un temple. Non, 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 c'était dans un appartement. Une femme qui cuisinait. Ouais. Mais qui lui parlait. Certains d'entre vous, vous êtes des oracles en cours d'établissement. Mais, vous avez une image, un cliché dans votre esprit. Vous attendez à ce que ce soit d'une certaine façon. Libérez votre esprit. Ah, on me dit de prendre. J'ai rencontré un monsieur Abidjan une fois. Sa fille est décédée, ça fait 3 ans aujourd'hui. Je l'ai rencontré en 2022. Sa fille est décédée, ça fait 4 ans. Et là, il me dit, quand elle est morte, il a senti qu'il doit prendre un local et commencer à recevoir des gens. Je vous assure, quand je l'ai rencontré, ça faisait 2 ans que sa fille était morte et 2 ans qu'il avait le local. Il y allait peut-être 2 à 3 fois par semaine. Hein. Mais il sentait qu'il devait le faire. Donc, parfois quand on vous parle, vous avez déjà d'autres entreprises. Beaucoup de personnes qui ont déjà une stabilité financière sont en train d'être appelées. On ne veut pas que tu quittes tout ce que tu es en train de faire forcément. 2 options. Soit quand tu quittes, quand tu es appelé, tu es déjà en activité. Soit quand tu es appelé, on t'appelle, tu lances ton appel et tu lances d'autres activités. Parce que cette puissance vient avec l'énergie financière. J'ai commencé, je me suis mise à vendre les objets spirituels. Oui. Je faisais du coaching avant, je coachais les gens. Donc, je vais commencer à organiser des talks, des séances où on va s'asseoir peut-être pendant 4 heures de temps quand j'arrive. Ceux qui ont payé, vous payez, vous venez vous asseoir. On parle. On parle. On parle. Et on laisse l'esprit diriger parce que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin, vous avez des messages. Rita, merci. Et ce que je dis est guidé par vous qui m'écoutez. Vous le savez, non? Parfois, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour poser la question. Tu n'as pas besoin. J'étais au Bénin en mars. Je reviendrai, mais pas pour l'instant. Le Bénin, le prochain, c'est au Burkina Faso et Kinshasa. Donc, si vous tombez sur ma vidéo, payez pour votre ville, mais... Pardon, c'est quand je viendrai. S'il vous plaît, groupe publication, vous devez mettre, il y a un programme que je lance à partir de juillet, où je vais me rendre dans certaines villes, les gens vont réserver juste, on va déterminer une somme, ils viennent, ils réservent et puis ils viennent, ce sera des talks, des paroles, je ne sais pas comment dire en français, talks, des dialogues, voilà, conversation avec la lumière. Donc, je disais que beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés, mais vous avez déjà une stabilité financière. Et vous vous dites, mais attends, j'ai rencontré une dame à Abidjan l'autre jour. Elle est partie, elle venait acheter un gâteau pour son mari, je parle. Et il s'avère qu'elle me suivait de temps en temps. Et 3 jours plus tard, elle vient en consultation. Et il s'avère qu'il y a cela, elle venait rentrer de voyage, ça fait 2 semaines, 1 ou 2 semaines. Elle avait fait un burn-out. Donc, et elle a dû voyager pour 10 jours. Je vous assure que elle s'assoit devant moi. Où elle voulait seulement me tester. Bonjour, petit oiseau. Où elle voulait seulement me tester. Elle me dit que je vous écoute. Elle ne pose aucune question, elle ne dit rien. Je vous assure. Oh my God.
tu dégages une forte énergie. Et puis quoi? Hmm? Ta question, c'est quoi? Donc, ce que je dis là, ça ne t'intéresse pas. Hein, chérie? Quand je lui parle, elle était en rond-point de sa vie. Elle a toujours été très corporate. Elle a son entreprise qu'elle a créée. Parfois, elle va en entreprise, elle fait 2-3 mois, elle revient dans sa propre entreprise. On était vraiment orientés sur le business, ses activités. Et elle organise souvent des brunchs avec les femmes. Et dans les lectures que j'ai faites pour elle, j'ai bien vu qu'elle organisait des brunchs